Salut à tous, c'est Infinity pour une nouvelle vidéo sur StarCraft 2 Earth ce soir. On va directement aller dans l'alcôve de Kerrigan. Parce que là, on a récupéré plein de trucs. Niveau 36. J'ai peut-être raté un objectif quelque part. Je crois que c'était 37. Bon, c'est pas grave, je verrai après. Donc, on va prendre. Générer des chancres, parce que c'est bien. Ouvrier 2 par 2. Ah, c'est vrai que ça, c'est toujours un dilemme entre plus de gaz et ouvrier plus vite. En vrai, les ouvriers 2 par 2 pour le même ravitaillement. Enfin, nécessite moins de ravitaillement et pas de coûts supplémentaires. Ouais, mais moins de ravitaillement, ça veut juste dire que le 2 égale 1. Un peu comme les Zerglings. Et là, par contre, on est sûr et certain que c'est l'extracteur automatisé. Hein. Je préfère avoir le gaz qui se fait tout seul plutôt que d'avoir des ovies. En tout cas pour les ergs. Voilà, oui, translation aussi. Voilà. Je suis en train de me dire, il manque un truc. Fausse évolution, qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah oui, les swarmhosts. Ça, c'est les glandes pressurisées. Ouais, voilà. Aérienne et terrestre. Voilà. Même si je joue quasiment jamais. Sormos, voire jamais. Blablabla, migration. On se casse d'ici, là. On va sur Kaldir. On va sur Kaldir. C'est le bâtard. Hop. Donc là, c'est la mission où on récupère les roaches. C'est la mission avec la tempête de gel éclair. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est une mission qui est relativement simple. Et c'est une mission que j'aime plutôt bien faire. Et il faut la finir en moins de 9 minutes. Donc en soi, rien de bien compliqué. On va accélérer direct. Pas le temps. Voilà. Ouais, très bien. On va boire un petit coup. Les troupes sont gelées, rien ne va. Moi, c'est plus les objectifs bonus. Là, j'avoue, au moins de 9 minutes, finir la mission plus finir les objectifs bonus, ça va être trop lourd. Et encore. Donc là, on va faire ça, ça, ça. Voilà. Nickel chrome. Capacité de s'enfouir pour les cafards blessés. Récupération. Alors, on va avoir un extracteur automatisé direct. Des drones. On va créer des drones directement aussi. Voilà. Drone en plus jumeaux. Donc on envoie Kerrigan. Des bending. Des petites translations, ça fait les dégâts de zone. Et là, on va faire principalement du speedling. C'est un peu overkill ça. Là, ils vont me donner une B2. Protoss en approche de la colonie. Normalement, ils me lâchent une B2 normalement. J'ai l'éclair en approche. Les Protoss seront vulnérables jusqu'à ce qu'ils passent. Les Protoss sont sans défense. Attaquez maintenant. Même si vous détruisez nos flèches. Voilà. Voilà, la B2, je l'avais dit. Essence de matriarche utile. Augmentation de la visibilité durant le jet éclair. Votre règne ne
Aller jusqu'à la matriarche, ça va être tendu, hein. Ouais, encore ça va passer. Nickel. Non, j'aurai pas. On va rester ici. Prochaine tempête, on va allumer le. Fin du gel éclair. Nous devrions nous replier jusqu'à la prochaine tempête. Faites vos prières. Les saints triomphent. Bon, à la prochaine tempête, on finit la mission. Vous avez vu, c'est un peu compliqué. J'avoue que j'aime bien les missions un peu de. Tiens, mon chien qui aboie. J'aime bien les missions un peu de speedrun comme ça, parce que ça demande toujours un minimum de concentration. Surtout quand on va chercher des objectifs bonus, des trucs comme ça. Là, bon, je me suis concentré parce que. En vrai, quand je vois le temps. Finir en moins de 9 minutes. Oh, mais ça va être fait facile. Hein. Je sais pas ce qu'il y a, mon chien, je vais peut-être aller voir après. Ouais, F2, ouais, vas-y, vas-y, F2, ouais. Non. Oh, par contre, il s'est fait défoncer. Tempête de gel éclair bientôt en approche. Très bien. La tempête de gel éclair est sur nous. Ok, on se barre vite là. Eh ben dis donc, en forme le chien aujourd'hui. Allez, on finit cette mission, après je vais aller m'occuper du chien-chien. C'est pas comme si j'en avais pour 4 jours, voilà, c'est déjà fini. Et voilà, sur froide, déjà l'éclair, je sais pas ce que c'est un autre truc de timer. Bah oui, moins de 15 minutes. Ah oui, bah moi j'en avais une autre, c'était 9 minutes, bon bah voilà, vous avez fait les deux fait en même temps, c'est incroyable. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, vous avez vu, rien de bien compliqué, en plus on récupère les niveaux, jouer avec les teignes, c'est fort, jouer avec les raptors, c'est encore enfin, c'est encore plus fort. Oui, en vrai c'est encore plus fort parce que les raptors sautent par-dessus les falaises, ça vous permet d'atteindre celle tout en bas plus rapidement. Ça vous permet du coup de split tout de suite dès le début, faire moins de trucs, et je pense que vous pouvez même finir avant le premier dégel. Et on se retrouve bientôt du coup pour la suite de nos aventures sur la campagne. Salut, salut!